Il est derrière la porte. Je suis sûr, j'ai entendu gratter. Oh là, il y a carrément la porte qui bouge. Attendez, je vais m'enfermer dans le noir. C'est hors de question que je me fasse avoir cette fois. Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là, moi, ça va pas du tout. J'ai entendu du bruit à l'étage. Moi, je suis en train de dormir dans ma chambre qui est juste en dessous, là, de cette pièce. Et là, j'ai entendu gratter dans la chambre de Lily Rose. Donc, je suis monté pour voir si tout allait bien. Et, bah, franchement, là, ça va pas. Lily Rose, elle est pas dans son lit. Elle est pas dans sa chambre. Je sais pas où elle est passée. Donc, je me suis mis dans sa chambre, là, pendant 30 secondes, histoire de la chercher. Et dès que j'ai fermé la porte de la chambre, écoutez ce que j'entends. Vous entendez? Ça vient de derrière la porte. Je pense qu'il est revenu. Bon, pour ceux qui savent pas de qui je parle, vous savez qu'il y a énormément de choses qui se passent chez nous. Toutes les nuits, quasiment, on entend des bruits, on entend des fantômes, on entend des trucs comme ça. Et là, ça fait un mois environ que régulièrement, il y a un fantôme, on l'a appelé Gilbert. Me demandez pas pourquoi. Et Gilbert, sa particularité en tant que fantôme, c'est qu'on entend des traces de pas, on entend des bruits de pas, et il s'amuse à gratter aux portes comme ça. Il est effrayant, Lily Rose le déteste, si bien que elle veut même plus dormir dans sa chambre des fois. Bon, écoutez, Gilbert le fantôme, si c'est toi, pars d'ici, ok? Gilbert! Bon, j'ai pas le choix, Gilbert. Je vais allumer la lumière, ça va te faire mal aux yeux et tu vas partir. Hop. Voilà, attention, je vais ouvrir la porte. Normalement, Gilbert, c'est un fantôme qu'on voit. Donc, normalement, vous allez voir. 3, 2, 1. Gilbert, pars! Ah! C'est quoi ça? Mais c'est pas Gilbert! Vous avez vu? C'était quoi ça? Ah! Mais c'est quoi ça? Ah! Jérémy! Mais je sais que t'as peur avec Gilbert. Mais qu'est-ce que tu fais chez nous à cette heure-là? Oh, mais je sais que t'as peur avec Gilbert, c'est rigolo. Il est 1h du matin, là. Ah, c'est rigolo. Non, mais c'est vraiment pas drôle. J'ai cru que c'était le fantôme. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi t'as... Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh oh, arrête de crier! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, arrête avec tes blagues. T'as vu? Non, mais tes blagues à deux... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Attendez les amis, il y a un truc dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est quoi ça? Je sais pas, il y a un monsieur de l'aéroport dans le jardin. On n'arrive pas à bien voir. Ah non, c'est pas une blague. Non, j'arrive pas à bien voir. Regardez les amis. Je sais pas, c'est une silhouette noire comme ça. On voit pas parce qu'il a plu sur la vitre. Et c'est pas drôle, ça. Elle nous regarde. Mais oui, elle nous regarde. Elle nous regarde. Regardez. On dirait quelqu'un en combinaison noire avec des lumières. Qu'est-ce que c'est? Attends, faut qu'on aille voir dans la chambre de Peppa Pink, on verra mieux par sa fenêtre. Et me refais plus de trucs comme ça. Non mais toi c'est une blague là. Non mais c'est pas une blague. Bien sûr que c'est. Non mais c'est toi la grosse blague là, venir en lapin. Oui, non, mais ça, en lapin rigolo. Terrifiant non, mais attends, là. Ça, c'est chez rigolo, moi à 2h du matin. Dans la cour c'est moins rigolo. Attends. Hop. Peppa Pink. Il ne peut plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Bah je range. Je range. Tu ranges à cette heure là? Oui, qu'est-ce qui se passe encore? Je vous entends crier. Regarde ce qu'il y a dehors, c'est rouge. Oh, encore un prank? Ouais, non, c'est pas un prank. Le prank c'était lui. Et son masque de. Ah bah oui. Regarde. C'est qui? Regardez. Mais qu'est-ce qui nous fait une blague là? Non, mais c'est pas. Je sais pas qui fait une blague. Vous connaissez pas quelqu'un qui a juste fait ça? On va ouvrir la fenêtre pour filmer. Regardez. On va essayer de mettre la caméra dehors. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Les amis, je pense qu'on va devoir descendre pour voir ce que c'est. Parce que là, on voit pas trop. Vas-y, passe devant, Jérémy. Même dans la vraie vie, on a du mal à voir. C'est pas que sur la caméra. Toi, passe devant. Non, c'est toi qui passe devant. Non, moi, j'y vais pas juste pour toi. C'est toi qui passe devant. Non, vas-y, essaye. Il y a personne qui va passer devant. On va tous aller voir ce qui se passe. Moi, tu viens alors. Ouais, on va tous aller voir ce qui se passe. Bon, les amis, on va pas. On va pas rentrer en conflit là pour savoir qui va aller voir le premier. Ah, mais t'inquiète pas que. Il m'a dit qu'il veut passer devant. Allez. Allez, moi je vais voir de toute façon. Il faut voir ce que c'est. Ah, il a la fenêtre. Il est où? Ah, regarde. Oh, c'est quoi ça? Ça fait peur ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez jamais vu ça avant? Attends, mais si, ça me dit un truc. Peppa Pink, ça serait pas la danseuse serbe? Oui, maintenant que tu le dis, c'est ça. Hein. Oh non, j'espère que c'est pas la danseuse serbe. Mais la danseuse serbe, elle avait pas des. Si c'est ça, il faut pas lui ouvrir. Non, elle ferme la porte à clé. Ah ouais, non, mais je ferme ma clé. Si c'est ça, faut pas lui ouvrir. Elle danse. Attendez. T'as vu comment elle danse? C'est la danseuse, c'est sûr. Ah, c'est sûr que c'est elle. Punaise, qu'est-ce qu'on fait? Non, bah écoute, on laisse fermer et puis. C'est toi qui l'as ramené? Mais je l'ai pas ramené.
Mais comment ça elle est au sous-sol. Mais comment Allez dans le shop. Bon, moi je vais éteindre les lumières, les amis. La danse. Bon. Allez, mais allez en bas. Bon, la danseuse serbe, pour ceux qui la connaissent pas, je vais me cacher un peu pour en parler. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une légende qui est très très ancienne. Moi j'ai découvert la légende sur internet et en gros c'est une femme habillée tout en noir comme ça avec une longue robe noire. Et elle s'amuse à venir la nuit et elle danse devant vous comme ça. Surtout si vous la voyez, ne la dérangez pas. À partir du moment où vous dérangez la danseuse serbe, elle se mettra à courir vers vous et elle vous lâchera jamais. Regardez, elle est là. Elle attend qu'on la dérange. Elle attend qu'on la dérange tranquillement et dès que je vais la déranger, elle va me poursuivre. C'est pour ça que je leur ai demandé d'aller en bas, comme ça. Je vais ouvrir la porte, ça va la déranger et ensuite je vais m'enfermer. Et ensuite on va essayer de l'expulser, on va se mettre à trois, on va essayer de la faire sortir de chez nous. Mais ne jouez pas à ça chez vous, hein, parce que franchement, hop, c'est pas facile. Allez. Ah ! Non, j'arrive pas, je vois rien. Vite, vite, faut que je sorte. C'est bon, elle me poursuit. Vite, cachez-vous. Cachez-vous, elle me poursuit. Mais cachez-vous ici, vous êtes bêtes. Qu'est-ce que... Mais pourquoi ils sont partis par là? Trop tard, j'ai fermé la porte à clé. J'ai fermé à clé. Oh non, je réouvre pas, je réouvre pas, j'ai pas envie de me faire attraper. Surtout que si vous vous faites attraper par la danseuse serbe, vraiment, bah... Elle vous vire de chez vous, vous devez partir de chez vous, elle prend le contrôle de votre maison. Quoi? J'entends la danseuse, c'est son rire derrière. Je t'ouvrirai pas. Hop, je vais éteindre la lumière, je vais me faire le plus discret possible. Hop, je vais même me cacher ici comme ça. Hop, voilà, je vais rester là. Bon, j'entends taper. Ah oui, c'est vrai. Il y a Peppa Pink et Jérémy du coup. Oh, j'espère qu'ils se sont pas fait virer par la danseuse parce que je n'arriverai pas à m'en débarrasser tout seul. Eh oh, c'est qui? Ouvrez-moi! Je vous ouvre pas! Qu'est-ce que vous avez fait à Jérémy et Peppa Pink? Ils sont sous mon contrôle! Ils sont sous ton contrôle? Attendez les amis. Qu'est-ce que tu fais ici? Bouge-toi là! On va l'attaquer! Non! Faites demi-tour! Virez-la chez nous! On va la voir! Viens là! Non! Non! Peppa Pink derrière! Virez-la chez nous! Va-t'en! Allez! Attends! Allez, on l'a eu! Allez! Virez-la chez nous! Virez-la! Virez-la chez nous! Dans le garage! Dans le garage! Allez! Virez-la! Allez, du balai! Allez! On va dans le garage! Du balai! Allez, je pensais qu'ils étaient sous le contrôle de la danseuse. Du balai. Ah, c'est bon, on a réussi. C'était quoi cette technique du fauteuil roulant là? Je sais pas, mais ça fonctionne en sortie. On a imaginé une sorte bon, de char. Vas-y, on va foncer dedans, comme ça, ça va lui faire peur. Bien joué. J'espère qu'elle va pas revenir. Oui. Ah bah, je connaissais pas cette méthode pour la faire fuir. Ah mais ça, là elle reviendra bien. Ah bah j'espère, ouais. Allez, c'est fini. Bon les amis, en tout cas on a réussi à s'en débarrasser. C'était une vidéo avec un double prank. Jérémy qui me prank, la danseuse serbe, le fauteuil roulant, bah là il y a eu trop de trucs. Bon, on espère que... Bah oui, elle est là. Et hop, ferme-toi. Ah bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, ça nous ferait extrêmement plaisir. Cliquez sur la vidéo qui apparaît juste là. À la prochaine et ciao. Non, elle arrive. Attends.